un moment, chaque cellule, décision irréversible. Millionième de seconde. Matière dissymétrique, substance primordiale de la vie. Matériel biologique, la cellule vivante. Fabriquer des protéines. La science. Il y a des gens avant vous et il y a des gens après vous. Fragment d'ADN. L'allergie, voir les choses strictement individuelles. Capacité de l'homme de simuler par un artefact ce qu'a la nature fait elle-même. Les bactéries sont les meilleures chimistes du monde. Les bactéries peuvent fabriquer les composants organiques qu'on ne trouve pas chez l'homme. 30 instituts Pasteur d'outre-mer. 2J, A, 2T, 3T. La découverte, l'art de voir ce que tout le monde avait vu, penser différemment de ce que les autres avaient pensé en voyant exactement la même chose. Quand le choléra est réapparu en Europe en 1971, l'Institut Pasteur était un des seuls endroits au monde où l'on pouvait faire encore le diagnostic de la maladie. Ici, rue du Docteur Roux, depuis un siècle, l'Institut Pasteur prépare l'avenir dans l'esprit de son fondateur, Louis Pasteur. Son œuvre, c'est l'origine de toute la médecine moderne. Pas un village en France qui naît sa rue Pasteur. Une aventure scientifique unique. Dissymétrie moléculaire. Étude de la fermentation. Génération dite spontanée. Étude sur le vin. Pasteurisation du lait. Maladie du ver à soie. Étude sur la bière. Maladie charbonneuse. Choléra des poules. Maladie virulente. Principe de la vaccination. Prévention de la rage. Aimé Dumas a connu Pasteur. À 8 ans, peinte par Madame Jules Ferry. À 110 ans, elle se souvient. Et oui, je l'ai connu dans mon enfance, quand mon père était directeur de l'école normale supérieure. Il habitait l'école normale, l'étage au-dessus de nous. C'était l'homme le plus modeste qu'on puisse voir, le plus aimable, le plus correct, le plus sensible qu'on puisse connaître. Mon père se promenait avec lui le soir dans le jardin et on le voyait rentrer dans son petit laboratoire. C'était bien modeste. On n'aurait jamais cru que de grandes découvertes pourraient sortir d'un si petit laboratoire. Simplicité dans ses abords, dans ses rapports. On aurait dit un savoir très ordinaire et il n'était aucune prétention et aucun orgueil. C'était l'homme le plus modeste qu'on puisse voir, comme tous les grands hommes. À la fenêtre de l'école normale supérieure donnait sur le jardin. Et un matin, quand j'étais regardée par la fenêtre, j'ai vu sept ou huit hommes, avec des bandages enveloppés dans des pelisses et qui stationnaient devant le laboratoire de M. Pasteur. J'ai demandé ce que c'était. J'étais très intéressée, les petites filles, les hommes avec des pansements m'intéressaient beaucoup. Et on m'a dit, ce sont des Russes qui ont été mordus par un loup enragé. On les envoie pour essayer de les guérir. Ils sont venus du Caucase et de l'Ukraine pour se faire traiter par Pasteur contre la rage. Aujourd'hui encore... Allô, centre antirabique, j'écoute. Ça se passait dans quelle forêt dans l'Aisne? Bon, c'est une région où il y a de la rage, c'est sûr. Ce serait une fouine ou une marque. Cet animal est resté dans le piège où il s'est échappé, donc on n'aura pas le cadavre de cet animal. Bon, il est plus prudent que votre fils se fasse vacciner
Parce que cet animal soit enragé ou non, j'en sais rien. Mais s'il s'est fait prendre au piège, il a pu se faire prendre au piège parce qu'il n'avait pas des réactions normales. Peut-être il était enragé. Et on a des exemples de martres ou de fouines enragées fréquemment. Hein. Donc il faut que votre fils se fasse traiter. Est-ce qu'il est à Paris? Est-ce qu'il est dans l'Aisne? À Meudon, c'est près de Paris. Bon, il faut qu'il vienne nous voir ici à l'Institut Pasteur. Les registres sur lesquels nous inscrivons les personnes qui viennent nous consulter sont la suite des registres historiques de M. Pasteur et nous sommes actuellement à environ 67 000 traitements faits depuis un siècle. La découverte nouvelle, c'est l'enfant qui vient de naître. Le hasard ne favorise l'invention que pour des esprits préparés aux découvertes par de patientes études et de persévérants efforts. La science n'a pas de patrie, ou plutôt, la patrie de la science embrasse l'humanité tout entière. Je crois invinciblement que la science et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre, que les peuples s'entendront non pour détruire, mais pour édifier, et que l'avenir appartiendra à ceux qui auront le plus fait pour l'humanité souffrante. L'histoire Pasteur, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une véritable épopée, une épopée comme celle de Napoléon. En fait, dans Pasteur, il y a un peu du Napoléon. Une des caractéristiques de Napoléon, c'était de concentrer ses forces, toutes ses forces, en un point précis et d'attirer l'ennemi sur son terrain. Et bien Pasteur fait un peu la même chose. Quand il aborde un nouveau problème, la maladie de la vigne ou la maladie de la bière, il concentre toutes ses forces sur ce même problème et il attire le problème sur son terrain. Et son terrain, c'est le laboratoire, ce sont les expériences. La plupart du temps, dans la recherche scientifique, on part d'un problème théorique et on établit un certain nombre de théories dont après, quand cela se présente, on cherche les applications pratiques. Pasteur fonctionnait de façon complètement différente. Il partait d'un problème précis, la maladie du vin ou la rage, et à partir de ce problème qu'il essayait de résoudre, il en tirait des solutions théoriques fondamentales. Il n'oubliait rien, il savait toujours ce qu'il avait fait, ce qu'il devait faire. Et un jour, il a oublié une culture. Il travaillait sur une maladie des poules, sur une bactérie très virulente qui s'appelle le choléra des poules. Et il savait que quand il injectait 1 cm3 d'une certaine culture à une poule, ça tuait la poule en quelques jours. Puis un jour, il a oublié sa culture dans un coin de son laboratoire, le vendredi. Il est revenu le lundi, il a repris sa culture, il a injecté la poule n'est pas morte. La plupart des gens auraient jeté la culture et en auraient pris une autre, lui pas. Il a repris cette poule, il lui a remis une culture virulente, il s'est aperçu qu'elle survivait. Et ça, c'était le premier vaccin qu'il avait trouvé. Il avait compris que, en restant dans un coin du laboratoire, cette culture s'atténuait, comme on dit, et qu'elle vaccinait contre les affections suivantes. Ça, c'est une découverte extraordinaire. Si l'Institut Pasteur est né de la grande découverte de Pasteur du traitement préventif de la rage par la vaccination, l'hôpital, lui, est né presque à la même époque, à la suite d'une autre grande découverte pasteurienne, celle de Roux, Martin et Chailloux, qui était le traitement de la diphtérie par l'injection de sérum de cheval immunisé contre cette maladie. Il faut reconnaître qu'à l'époque, la diphtérie tuait au moins 50% des enfants et que lorsque ces grands chercheurs ont administré leur traitement, la mortalité est tombée à peu près à 25%. Mais ils ont fait une autre constatation de grande portée, c'est que ces enfants mouraient non plus tellement de diphtérie, mais de surinfection, ces enfants étant tous hospitalisés dans la même salle, et des contagions de diarrhée, de bronchopneumonie, tuaient ces enfants déjà affaiblis. D'où cette grande découverte que l'isolement des enfants, chacun dans sa chambre, devrait probablement diminuer cette cause de mortalité. En isolant les enfants et en les traitant par le sérum de cheval, la mortalité est descendue à 5 à 7%. À l'Institut Pasteur, les médecins vont de l'hôpital au laboratoire de recherche, des laboratoires de recherche à l'hôpital. Pour réussir, la recherche scientifique doit d'abord s'attaquer à des problèmes qui sont solubles. À une certaine époque, il y a des problèmes qu'on peut résoudre et d'autres qu'on ne peut pas résoudre. Et un des génies de Pasteur a été, évidemment, de trouver les problèmes qui, à ce moment-là, étaient solubles. Deuxième condition très importante, c'est de trouver les élèves, les collaborateurs, ceux qui peuvent vous aider et continuer vos recherches.
Et là, Pasteur a été aidé par un extraordinaire concours de gens qui sont venus de partout du monde entier, qui étaient tantôt des médecins, qui ne faisaient pas de médecine, mais qui étaient des médecins, tantôt des professeurs qui n'enseignaient pas, mais qui étaient des professeurs, des physiciens, et tout ça travaillait ensemble en liaison très étroite. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pastorien. Le pastorien ne se définit par aucune qualité particulière, si ce n'est une, il travaille à l'Institut Pasteur. Émile Roux, 1888, la diphtérie. Il a dirigé l'Institut Pasteur pendant 30 ans. Louis Martin, 1894, la sérothérapie. Alexandre Yersin, 1894, la peste. Calmette et Guérin, le vaccin contre la tuberculose en 1921. Félix Derel, 1915, le bactériophage. Ernest Fourneau, 1913, la chimiothérapie. Thérèse et Jacques Tréfouel, 1936, les sulfamides. Eugène et Elisabeth Volman, 1938, la lysogénie. Pierre Lépine, 1955, le vaccin contre la poliomyélite. Elie Volman, 1958, la sexualité des bactéries. Jacques Houdin, 1963, les propriétés des anticorps. Prix Nobel 1907, Alphonse Lavéran, l'agent du paludisme. Prix Nobel 1908, Elie Metchnikoff, les défenses cellulaires. Prix Nobel 1919, Jules Bordet, les défenses humorales. Prix Nobel 1928, Charles Nicolle, la transmission du typhus par le pouls. Prix Nobel 1957, Daniel Bovet, les antihistaminiques. Prix Nobel 1965, Jacques Monod, François Jacob, André Lvoff, la régulation cellulaire. L'attribution du prix Nobel de médecine à des pasteuriens était un événement très heureux pour la France, parce qu'il n'y avait pas eu de prix Nobel de médecine, je crois, depuis 1927, date à laquelle Charles Nicolle avait reçu le prix Nobel de médecine. Et alors, quand les directeurs d'instituts scientifiques demandaient des crédits au gouvernement, on leur disait, mais que fait, on ne fait rien en France, que font les chercheurs, il n'y a pas de prix Nobel. Et alors, l'attribution du prix Nobel de médecine, après cette très longue période négative, a été un événement très heureux pour notre pays et pour la recherche scientifique en général. L'Institut Pasteur, aujourd'hui, c'est un grand institut de recherche. Plus de 2000 personnes sur le site, 500 chercheurs permanents, 600 stagiaires scientifiques, dont 300 étrangers venant de plus de 50 pays. Cours, 300 élèves venant du monde entier. Cette structure de l'Institut Pasteur, fondation privée reconnue d'utilité publique, recevant à peu près la moitié de ses fonds de l'État, des fonds publics, et l'autre moitié de ses ressources propres, donne une grande souplesse de fonctionnement à l'Institut. L'Institut Pasteur était le légataire de la duchesse de Windsor. L'un des grands mérites de Louis Pasteur a été de démontrer qu'un certain nombre de maladies étaient dues à des bactéries. Aussi, à la suite de Pasteur, beaucoup parmi les premiers pasteuriens ont étudié ces bactéries comme agents de maladie. Mais progressivement, les gens se sont rendus compte qu'en fait, les bactéries avaient aussi un très grand autre intérêt. C'est que ce sont des organismes microscopiques, faciles à étudier, mais qui obéissent pratiquement aux mêmes lois que les cellules qui appartiennent aux animaux, aux plantes, à nous-mêmes. On s'est donc rendu compte qu'en étudiant les bactéries, en étudiant le fonctionnement des bactéries, on pouvait arriver à tirer des lois qui pourraient s'appliquer à l'ensemble des cellules vivantes. Je crois que si Pasteur revenait parmi nous maintenant, il serait au fond très intéressé par ce type de problème. Ça l'amuserait de voir que cette toxine qui, lui, ne l'intéressait que pour ses effets toxiques sur les hommes, on essaie maintenant de comprendre vraiment comment elle arrive à sortir de la bactérie qui la produit et à comment elle arrive à pénétrer dans les cellules cibles. À
partir du moment où on avait compris que tous les organismes, tous les êtres vivants, de la bactérie jusqu'à l'homme, sont constitués par les mêmes matériaux qui fonctionnent de la même façon, la bactérie devenait l'organisme le plus simple, ça devenait le minimum vital. Donc c'est sur la bactérie qu'on pouvait étudier les grands principes qui régissent le monde vivant, et c'est de là qu'est née la biologie moléculaire. La biologie moléculaire vise à expliquer les propriétés des organismes par la structure des molécules qui les constituent et par l'interaction de ces molécules. Et à partir du moment où on avait compris les lois les plus simples, les principes généraux, on pouvait revenir en retour et essayer de comprendre les problèmes, étudier les problèmes qui s'étaient posés à Pasteur, c'est-à-dire la manière dont les bactéries infectaient les organismes par les méthodes de la biologie moléculaire, et c'est ce qui se passe maintenant. Je fais des recherches sur certains aspects de la régulation de l'expression génétique chez les bactéries, des diverses bactéries qui peuvent aussi provoquer des maladies. J'aimerais comprendre comment la régulation, quelles sont les... C'est quand même assez difficile à expliquer quand on étudie des choses qui semblent des petits détails dans la régulation d'un grand ensemble. Et si on a compris ces détails, peut-être on peut comprendre l'ensemble. Et on peut aussi comprendre quand certains détails sont déréglés dans différentes maladies, quelle est la raison. Certaines bactéries produisent des poisons, les toxines. Le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la scarlatine, le choléra. En 1971, le choléra venant des Indes arrive à Odessa. Il y a là des étudiants guinéens et des étudiants égyptiens. Ils vont partir en vacances de Pâques, ils montent dans un Tupolev, emmenant avec eux leurs vibrions. Ils vont se poser les uns à Alexandrie, les autres à Conakry, et ce sera la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire du monde, puisque l'Afrique en totalité va être bientôt envahie par le vibrion cholérique. Cette épidémie africaine absolument remarquable, puisqu'elle aura tué plus de 2 millions, 2,5 millions d'individus. Il y a quelques jours, dans un pays d'Afrique, il y avait encore 5 000 cas de choléra par semaine et près de 2 000 morts. Il est bien évident qu'on ne peut attendre que l'hygiène pénètre dans ces pays. Il faut donc avoir des solutions beaucoup plus radicales. Celles-ci ont été mises au point à l'Institut Pasteur par Afkin, qui a inventé le premier vaccin injectable contre le choléra. À l'origine, la vie était sans oxygène. Il existe toujours des bactéries qui vivent sans oxygène. Certaines de ces bactéries ne déterminent pas de maladie lorsqu'elles sont seules, parce qu'elles sont peu pathogènes, mais lorsqu'elles sont associées à d'autres bactéries, anaérobies ou appartenant à d'autres groupes, elles sont capables de déterminer des maladies graves, et c'est ce qu'on appelle des associations bactérienne. Le mécanisme est peu connu, mais les types de recherches actuellement effectuées vont permettre de comprendre l'évolution de ces maladies. Et un exemple que je peux citer, ce sont les maladies des gencives qui vont se traduire, qui sont fréquentes chez sûrement plus de 50% de la population adulte et qui se traduisent par le déchaussement des dents bien connues. Il y a deux faits majeurs qui ont entraîné le formidable allongement de l'espérance de vie. C'est d'une part les vaccinations et d'autre part l'antibiothérapie. Nous avons un souchier de bactéries très complet au laboratoire. Chacune de ces bactéries
hébergeant, codant pour un mécanisme de résistance particulier aux antibiotiques. Ce qui fait que lorsqu'on nous apporte une molécule nouvelle, grâce à ces bactéries, on peut immédiatement voir si elle sera concernée ou non par tel ou tel type de résistance aux antibiotiques. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'évolution. C'est l'évolution qui a fait apparaître tous les animaux, tous les êtres vivants que nous connaissons, toutes les plantes. Et cette évolution, c'est un mécanisme étonnant qui fonctionne de façon très remarquable, qui invente des astuces, des trucs surprenants. Par exemple, pour se défendre contre toutes ces maladies, pour se défendre contre les agressions par les microbes, par les bactéries, par les virus, chacun de nous possède un système spécialisé, un système qui est capable de réagir à l'infection. Et c'est en étudiant, ça s'appelle le système immunitaire, et c'est en étudiant dans le détail ce système immunitaire qu'on peut espérer améliorer nos moyens de défense. Et bien donc, lorsqu'une particule ou un être pathogène pénètre dans l'organisme, immédiatement arrive une première ligne de défense, comme dans le cas d'un conflit, et très rapidement arrive ce que j'appellerais les kamikazes de la réaction inflammatoire, à savoir que ce sont une certaine population de globules blancs, qu'on appelle les polynucléaires, qui vont arriver sur le lieu de l'infection. Pour vous donner un exemple, chez un animal, un événement semblable mobilise 10 millions de cellules en à peu près 10 heures. C'est quasiment une mobilisation générale qui arrive au sein de tout l'organisme. Et ici, dans ce laboratoire, a été trouvé, par exemple, que dans ces situations, certains produits sont fabriqués qui sont capables d'être de véritables médicaments pour l'animal qui les produit, pour lutter encore plus efficacement contre l'infection. Eh bien, ici, beaucoup d'unités travaillent sur le système immunitaire et son fonctionnement, et tout d'abord sur les constituants de ce système immunitaire, qui comprennent d'une part ce qu'on appelle les anticorps, et d'autre part un certain nombre de cellules qui interviennent aussi dans la protection contre les infections certaines maladies internes, comme le développement d'un certain nombre de tumeurs et de cancers. Les cellules qui participent à cela sont pour certaines des cellules qu'on appelle des cellules tueuses, des cellules cytotoxiques. Elles se collent à la cellule qu'il faut détruire et elles lui donnent ce qu'on appelle le baiser de la mort, et on voit très bien comment la cellule qui est au contact de ces cellules tueuses est transpercée par un éclair et éclate, libère ses constituants dans la circulation. Ce système immunitaire est semble-t-il si bien adapté à répondre aux agressions extérieures qu'il est en quelque sorte capable de répondre à l'injection, par exemple, de substances qui ne sont pas encore nées dans l'imagination de l'homme. Si Pasteur revenait dans cet institut, il serait extrêmement surpris d'y trouver un bâtiment sur les allergènes et sur l'allergie. En effet, le mécanisme de l'allergie est un peu contraire au principe de la vaccination. Dans le principe de la vaccination, on s'attend à un événement favorable, c'est-à-dire l'antigène protège l'individu. Dans l'allergie, le résultat est défavorable. La réaction allergique produit une manifestation comme l'urticaire et l'asthme. Cependant, le mécanisme de l'allergie est très proche du mécanisme de l'immunité. Le système immunitaire nous permet de nous défendre contre de nombreuses agressions dues aux bactéries, aux virus. Mais certains organismes ont trouvé le moyen de contourner ce système immunitaire, de l'éviter, de le rendre inefficace. Et ce sont les parasites qui sont responsables de certains des très grands fléaux de l'humanité, comme par exemple le paludisme. Le paludisme est transmis exclusivement par les moustiques. Des centaines de millions de malades en Inde et en Asie du Sud-Est. En Amérique du Sud. En Afrique, en
parasite, il habite l'homme depuis des millions d'années. Et il comprend très bien les réactions immunitaires de l'homme. Il a appris non seulement à les connaître, mais à se défendre. Il met un jeu, une série d'astuces, des astuces biochimiques, disons, pour s'échapper à la réponse immunitaire. Il est capable de détruire les anticorps. Il est capable d'échapper de l'action des anticorps. Il est capable de détruire des cellules immunitaires. Il est capable d'induire l'organisme humain en erreur pour produire des anticorps ou d'autres réactions qui sont pas du tout nuisibles à lui, parasite. Donc, il connaît très bien l'organisme humain. Pour combattre les parasites du paradisme, il nous faut le connaître aussi bien qu'il, lui, nous connaît, c'est-à-dire son structure, ses capacités d'adaptation à réponse immunitaire, la nature des antigènes qui sont effectivement essentiels pour être cible d'une réponse immunitaire. Et cet ensemble de recherches, c'est l'ensemble de recherches qui actuellement est développé dans notre laboratoire et dans d'autres laboratoires dans le monde. Longtemps, les maladies qui ont été étudiées à l'Institut Pasteur étaient des maladies d'origine externe. Elles étaient dues à des facteurs principalement externes, des agressions par des bactéries, par des microbes, par des virus. Et peu à peu, on a appris à les combattre grâce à la chimiothérapie, grâce aux antibiotiques, grâce aussi aux vaccinations, et ces maladies sont devenues beaucoup moins fréquentes. Elles ont rétrocédé dans l'ensemble. Mais bien entendu, à mesure que ces maladies externes, d'origine externe, rétrocédaient, disparaissaient, d'autres maladies prenaient leur place. Et celles-ci sont des maladies alors qui sont d'origine interne, qui viennent du plus profond de nous-mêmes, qui viennent de nos gènes. Et on peut en distinguer deux types généraux. Ou bien les altérations, les lésions génétiques sont déjà présentes à la naissance, ce sont les maladies héréditaires, comme par exemple le mongolisme. Ou bien au contraire, les défauts génétiques, les altérations surviennent pendant la vie de l'individu et donnent des cancers. Si on peut étudier, si on a accès aux gènes et aux défauts, aux altérations des gènes, c'est grâce à la biologie moléculaire. Et si on peut les étudier aujourd'hui et demain certainement les combattre, c'est grâce à la biologie moléculaire. Nous étudions justement, d'une part, la structure des gènes qui déterminent les protéines de la contraction musculaire et surtout la manière dont ces gènes sont mis en activité au cours du développement embryonnaire, postnatal, adulte. Donc c'est très important de pouvoir diagnostiquer ce type de maladie de façon assez précoce. On tombe là dans le problème plus général, si vous voulez, du rôle de cette génétique moléculaire face à toutes ces maladies d'origine héréditaire. Hélas, tout le monde connaît le mongolisme, qui est une maladie héréditaire qui frappe l'espèce humaine. C'est une maladie grave qui se caractérise par des malformations importantes et qui est due à la présence d'un chromosome supplémentaire. Avec nos souris, nous pouvons reproduire au laboratoire des analogues de maladies héréditaires qui existent dans l'espèce humaine. Et que ça ne veut pas dire qu'on peut prévenir ou guérir le mongolisme pour l'instant. Mais ça veut dire qu'on peut l'étudier. Ça veut dire qu'on a un modèle qui permet de comprendre comment la maladie mongolienne évolue. Nous avons réalisé un travail sur le mécanisme par lequel le chromosome Y, présent dans un embryon, détermine au stade très précoce de l'embryon le sexe qu'aura l'embryon lorsqu'il va se développer. Est-ce que l'on aura une souris mâle? Est-ce que l'on aura une souris femelle? Puisque c'est sur la souris que nous avons réalisé ce travail. Les cellules parlent aux cellules par deux systèmes de communication. Les hormones, le système nerveux. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur, c'est une substance qui intervient dans la signalisation entre une cellule nerveuse et une autre cellule, comme par exemple une cellule musculaire. Donc on a affaire à un signal chimique qui est libéré par la cellule nerveuse et qui va ensuite provoquer un signal électrique sur la fibre musculaire.
le fond de cette théorie et d'essayer de comprendre comment se met en place une trace physique dans le système nerveux central lorsque une expérience de mémoire se produit. Si un jour on pouvait isoler la substance pure, le facteur de croissance, on pourrait penser à ce moment-là pouvoir aider à la régénération de ses nerfs après, par exemple, une lésion traumatique, après un accident. Mais ça, vraiment, pour ça, on attend d'avoir la molécule pure. Notre laboratoire travaille sur une maladie humaine qui s'appelle la sclérose en plaques. C'est une maladie du système nerveux qui entraîne des signes très variés, y compris des paralysies. Parmi les causes possibles, de nombreux chercheurs pensent qu'un virus pourrait être responsable de la maladie. C'est bien que nous travaillons particulièrement sur la possibilité d'une cause virale de cette maladie. Et pour ce programme, nous avons deux approches. L'une qui consiste à étudier une maladie de la souris, qui est un modèle pour la sclérose en plaques, puisque la maladie ressemble de très près à la maladie humaine. Étant donné que nous avons une maladie expérimentale chez un animal, nous pouvons essayer de comprendre comment le virus cause la maladie. Et une fois que nous comprendrons ces mécanismes, on pourra essayer de les extrapoler sur la maladie humaine. Et la deuxième approche consiste à étudier les cerveaux de malades atteints de cette maladie et d'essayer de retrouver dans ces cerveaux des traces de la présence d'un virus. Nous espérons évidemment qu'un jour la cause de cette maladie sera connue, et s'il s'avère que c'est un virus, cette découverte permettrait d'envisager des moyens thérapeutiques qui pourraient prévenir ou guérir la sclérose en plaques. Un nouveau fléau. Un nouveau virus découvert à l'Institut Pasteur. Un nouveau défi. Un nombre de malades qui s'accroît chaque jour. Une recherche intensive dans le monde entier pour une parade, un traitement, un vaccin. Je crois qu'il est important de savoir que, bien que beaucoup de maladies soient vaincues à l'heure actuelle, et notamment les maladies virales, grâce à des vaccins, il peut toujours y avoir des nouvelles maladies. C'est le cas du sida. Le virus du sida n'est pas un virus extrêmement contagieux. On ne peut pas l'attraper par de simples contacts de la vie ordinaire, de la vie courante, disons, serrer une main, embrasser quelqu'un, etc. Par contre, il a été prouvé que le virus est transmis par contact sexuel, par la voie homosexuelle, mais aussi par la voie hétérosexuelle. Le partenaire sexuel de quelqu'un qui est infecté peut lui-même attraper le virus. Il a une chance, pas 100%, mais enfin, il a une certaine chance d'attraper le virus. Le virus de sida est un des virus les plus intelligents. C'est l'intelligence qui est le fruit d'une interaction entre la capacité de mutation génétique du virus et la sélection naturelle. Ce sont toujours les particules de virus les plus performantes qui vont émerger. Après cette variation génétique, le virus joue un petit peu à la roulette, et quand il trouve un bon numéro, bien ce bon numéro est fixé et il est acquis pour longtemps. Nous nous intéressons dans ce laboratoire au rôle que jouent les virus dans la production de cancer chez l'homme, et plus particulièrement au rôle que jouent les virus dans le développement des cancers du col de l'utérus, cancer qui, à travers le monde, tue encore plus de 500 000 personnes par an. Les virus qui sont associés au développement de ces cancers s'appellent les papillomavirus. Il y a une dizaine d'années, on ne connaissait qu'un seul virus de cette famille dont on pensait qu'il provoquait toutes les tumeurs bénignes telles que les verrues chez l'homme. Et on sait maintenant qu'il en existe une cinquantaine, dont une dizaine infecte l'appareil génital. Certains provoquent des lésions bénignes, d'autres provoquent des lésions qui pourront persister et se transformer en cancer sous l'influence d'autres facteurs encore mal connus. L'objet de nos recherches est d'isoler et d'identifier les papillomavirus qui sont associés au développement de ces cancers, et partant de là, d'essayer de mettre au point des méthodes qui permettent de dépister les femmes infectées, donc à risque de développer un cancer génital ou un précurseur de cancer. Autour de nous, des substances peuvent déclencher 10 ou 15 ans plus tard des cancers. Aujourd'hui,
on peut enfin les repérer immédiatement par un test simple mis au point à l'Institut Pasteur. Il y a quelques années, la biologie moléculaire a donné naissance à une technologie entièrement nouvelle. On peut aujourd'hui, par des méthodes relativement simples, purifier un gène, l'isoler, en produire des quantités énormes, le raccorder, le bricoler, c'est ce qu'on appelle le génie génétique. Le génie génétique a d'abord inquiété, il a été très discuté, il a été mis en question. Aujourd'hui, on sait qu'il représente un de nos principaux espoirs pour lutter contre certaines des maladies les plus graves. Si un jour, on peut espérer vaincre le cancer, c'est grâce au génie génétique. Si dans quelques mois, dans quelques années, on peut espérer vaincre le sida, c'est grâce au génie génétique. C'est le génie génétique qui, à l'aube de ce 21e siècle, nous donne des armes considérables pour toute une série de travaux à faire. C'est lui qui va entièrement renouveler demain et la médecine et l'agriculture et probablement de nombreuses industries. Les insectes, longtemps des produits chimiques qui polluaient l'environnement. Aujourd'hui, nous travaillons sur des bactéries qui tuent les larves d'insectes qui transmettent les maladies tropicales, d'une part, c'est-à-dire, au premier chef, les moustiques. Vous savez que les moustiques transmettent le paludisme, diverses fièvres, des dengues, des filarioses. Et également une espèce de moustique qu'on appelle des simulies. Ce sont des petites mouches noires qui transmettent l'onchocercose, dite aussi la cécité des rivières. Cette maladie est terrible, ça dévaste des villages entiers. Comme ça, on aboutit à vraiment une désolation et un désert. Le gros avantage de ces bactéries et de la toxine qu'ils produisent, c'est qu'ils sont absolument sélectifs contre les larves et spécifiques. Et ils ne touchent absolument pas les autres formes de vie. Et la biotechnologie maintenant, c'est une groupe de techniques qui donne la capacité de changer des microbes pour changer des cellules. Et pour la biotechnologie industrielle, c'est la capacité de changer les microbes pour avoir des nouveaux types de médicaments, des nouvelles sources d'énergie. On peut parler également des recherches faites sur la fixation de l'azote, qui est un problème de dimension internationale et qui est lié à celui de la production végétale et de la faim dans le monde. Les recherches faites sur les bactéries cellulolytiques, c'est des bactéries qui sont capables de dégrader la biomasse à partir de laquelle on pourrait faire d'autres produits, soit énergétiques, soit des solvants pour l'industrie chimique. On peut également parler des recherches sur les bactéries méthanogènes, c'est-à-dire les bactéries qui produisent le biogaz. Et on peut parler également des recherches faites bien dans la tradition pasteurienne sur quelques fermentations, en particulier la fermentation acétono-butylique, qui est tout à fait d'actualité, afin de produire du butanol, qui sera probablement un des additifs majeurs des carburants qu'on utilisera dans un proche avenir. Nous travaillons sur un genre bactérien qui s'appelle les shigelles. Les shigelles, ça n'est pas la première cause de diarrhée dans les pays en voie de développement, mais c'est certainement la cause des diarrhées les plus sévères. Pour la raison même que ces bactéries ont une tendance à envahir le tube digestif, à léser les tissus du tube digestif, et à donc créer des maladies extrêmement sévères sur le moment, et des problèmes ultérieurs de nutrition qui sont très difficiles à résoudre dans de tels pays. Thank you.
Notre groupe se situe à l'intérieur d'un laboratoire qui est le laboratoire des entérobactéries et que ce laboratoire des entérobactéries est le centre de référence de l'Organisation mondiale de la santé pour les salmonelles, par exemple, c'est-à-dire que ce centre est chargé de surveiller l'épidémiologie, de surveiller la variation d'un certain nombre de ces souches au niveau mondial et représente donc là aussi une espèce de référence que représente l'Institut Pasteur par rapport aux centres de santé dans le monde entier. L'hépatite B est un problème de santé publique à l'échelle mondiale. En effet, il existe au total dans le monde, et en particulier en Asie et en Afrique, environ 250 millions de porteurs chroniques du virus, qui sont des personnes qui souffrent plus ou moins de maladies hépatiques. Par conséquent, vous voyez que ce n'est pas seulement un problème qui se limite à la France, mais c'est un problème qui préoccupe le monde entier. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur un vaccin effectué selon les techniques de génie génétique. Et ce vaccin est actuellement en cours de développement. Les essais cliniques sont en cours et sont actuellement très prometteurs. À partir du moment où on traite quelqu'un contre l'hépatite B, à partir du moment où on vaccine plus précisément quelqu'un, cette personne va être non seulement protégée contre l'hépatite B, mais sera finalement, par conséquence, protégée contre le cancer du foie. Et par conséquent, le vaccin contre l'hépatite B est un des rares exemples où on peut proposer une vaccination contre un cancer chez l'homme. Et l'Institut Pasteur a le souci de se préoccuper des maladies dans le monde. Et vous savez qu'il existe des instituts Pasteur d'outre-mer qui sont plus spécialisés dans les problèmes locaux de tel ou tel pays. Vous rentrez faire vos analyses là. 27-28. Voilà. Vous payez la caisse et vous rentrez faire vos analyses. Résultat, ça sera pour mercredi à 5 heures. Au bout de 15 jours, vous revenez pour le deuxième sérum de la rivière. Ensuite, vous allez prendre votre résultat de tout ça en même temps. C3GT. G, C, G, G, 2G, 2C, 3T, 2G, 3C, 2T, A, C, G, 3T, A. La séquence de l'ADN, le secret des chromosomes. Il y a 15 ans, le meilleur biochimiste du monde ne savait pas l'analyser. Aujourd'hui, cette technique est pratiquée dans tous les instituts Pasteur d'outre-mer. Comme nous vivons dans un pays où nous avons des régions où le paludisme est permanent, nous avons essayé de faire des récoltes de sérum d'individus, donc adultes et d'enfants, en supposant que les adultes sont protégés et que les enfants sont en cours d'immunisation. À partir des cultures de Plasmodium falciparum, c'est-à-dire du parasite que nous avons, faire des extractions, des antigènes, et voir si ces antigènes sont reconnus par des anticorps. Et ce que je souhaite surtout, c'est trouver une différence entre les anticorps des adultes et ceux des enfants, et ainsi arriver à déceler des anticorps protecteurs qui permettraient après peut-être la fabrication d'un vaccin. De vaccins contre la fièvre jaune. Assez pour protéger toute l'Afrique en cas d'épidémie. Thank you.
les laboratoires volants des instituts Pasteur d'outre-mer parcourent le territoire à la chasse aux nouvelles épidémies. Partis dès l'aube. Ils ont marché pendant 50 kilomètres pour recevoir des soins dans ce dispensaire de brousse de l'Institut Pasteur. Sa maman la nourrit comment? Le sein donne bien? Oui, ça se donne bien, mais elle voulait en augmenter la nourriture. Oui. Mais l'enfant n'a pas d'appétit, elle ne veut pas manger. L'enfant n'accepte que le sein? Oui. Hein? La nature n'est pas silencieuse. La nature répète inlassablement les mêmes notes, mais sans accord, sans partition, sans mélodie. Et pourtant, l'homme a besoin d'une mélodie. Il a besoin d'unité et de cohérence. Il a besoin de comprendre son univers, un univers qui lui échappe totalement, mais qui est une réalité nécessaire à sa vie. Il a compris maintenant que la musique, c'est à lui de la mettre. C'est à lui d'écrire la partition, c'est à lui de plaquer les accords, c'est à lui de donner à la musique et aux notes un sens que sans lui, ils n'ont pas. Et cela, c'est la fonction, je crois, principale de la recherche. La recherche, on ne peut jamais très bien savoir où elle va aller, dans quel sens elle va s'orienter, les conséquences qu'elle va entraîner. On ne peut pas prévoir ce que la biologie deviendra dans 10, 15 ou 20 ans. On peut prévoir à court terme. On sait qu'à tout moment, il y a un certain nombre de développements qui sont possibles. Mais la recherche véritable, le changement dans la manière de voir les choses, le changement dans la manière de regarder le monde et les objets, cela, on ne sait absolument pas ce qu'elle va devenir, ni dans quelle direction elle va s'orienter. Car si on le savait, ce ne serait pas de la recherche. Et c'est pour cela que la recherche est, avec l'art, l'expression essentielle de l'aventure humaine. Et c'est cela que nous faisons ici. C'est cette aventure que nous poursuivons ici, à l'Institut Pasteur, depuis un siècle. Et nous espérons bien que dans le nouveau siècle qui s'annonce, nous allons continuer. Nous allons continuer à lutter contre la maladie, nous allons continuer à lutter contre la douleur.